Ici HN, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en ce samedi 26 juin 2021 pour le début du Tour de France 2021 avec ma propre DB. Et oui, les amis, et oui, les amis, avec ma propre DB, les gars. On est parti du coup pour une course qui s'annonce vraiment palpitante. Un Tour de France que je vous ai bien sûr présenté dans les moindres détails. Les étapes et bien sûr les startlists. Donc il y a eu le petit changement bien sûr de Barbero depuis. Mais en tout cas, ça va être avec la Ineos Grenadier que je vais faire ce Tour de France irréel. Je vous rappelle un petit peu l'effectif. Carapaz, Geraint Thomas, Richie Porte, Castroviro, Van Baarle, Goggenhart, Katowski et Lucro. C'est la vraie équipe, voilà. Je tiens à le dire d'avance. Mais je tiens à dire aussi que ce sont mes propres notes aussi. Hein. Il y a mes propres notes. Donc voilà. J'espère que vous ne serez pas déçus. Il y aura, je pense, des petites choses à voir pour cette équipe. Oula, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est le carré. C'est pas le rond, c'est pas le carré. Allez, Tour de France 2021. On part de Brest. Donc comme je vous avais dit, les amis, on part de Brest qui a été ville départ en 2008, qui avait accueilli aussi un départ d'étape en 2018 vers le mur de Bretagne, où il a gagné Dan Martin. On va à Landerneau avec la côte de la Fosse au Loup. 193 km, ça commence maintenant. Voilà pour cette présentation. Une côte de troisième catégorie, ça, elle va être dure, hein, elle va être dure, hein, je pense, cette côte de la Fosse au Loup. Il faudra quand même être bien placé hein, dans cette côte de la Fosse au Loup. On va regarder les favoris de l'étape. Pour info, les étapes, c'est, hormis celle de Libourne et celle de Châteauroux, c'est toutes les étapes vont être de la nouveauté pour moi. C'est, je vous le dis d'avance. Les favoris, Alaphilippe, Primoz Roglic, Tadej Pogacar. On peut citer aussi Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel. Qui j'espère vont faire des bons résultats on va voir qui sera le premier maillot jaune de cette course. Katowski en excellente étape avant, tout comme Geraint Thomas. Donc ça c'est bien, ça c'est même très très bien. J'ai limite envie de mettre Katowski leader de l'étape. Alors voilà, hop, donc on modifie avec le rôle. Je vais mettre leader d'étape Katowski, attribue le rôle. Et je vais prendre Geraint Thomas parce que Geraint Thomas m'a l'air quand même plutôt pas mal. On mettra protégé avec du monde. Vous voyez ce beau départ 2021 de Brest. Et là on voit les nouveaux maillots champions nationaux. Sonny Colbrelli qui est là. Wout Van Aert hein, qui est là avec son beau maillot de champion belge. Alors j'ai toujours pas. Alors j'ai fait des tests, mais on n'arrive pas à modifier l'ordre du dossard quand on fait un Tour de France avec une DB personnalisée. Donc bon, vous allez vous taper le dossard 121 et pour Roglic 151. C'est dommage. Honnêtement, là rien pour ça, c'est un peu dommage, je trouve. J'espère qu'un jour Cyanide va m'entendre et j'espère qu'on va corriger ça. Enfin, j'espère que Cyanide va corriger ça. On passe regarder l'océan. Là, regardez, c'est magnifique, hein, comme tout. Là, on doit être sur une voie rapide, à mon avis. Là, on doit être sur une voie rapide. Donc, nous, on va se taper le Dossard 111. Enfin, nous, on va se taper le 121. J'ai vu avec Godieu avec son Dossard 111. Oh, un petit bloc déjà. On va se retrouver vers l'arrivée directement. De toute façon, on va pas faire les points chauds, mais on va se retrouver directement à l'arrivée de l'étape. On va se mettre à aller vers les 20 derniers kilomètres de l'étape. On va se laisser comme ça. On va voir s'il n'y a pas eu de trucs. Alors, l'échappée du jour, allez, on va la présenter. La première échappée du jour, Brent Vandemore, Ignatia Konovalova, Julien Simon. C'est un beau. Ouais, c'est quand même pas mal ça quand même pour une première échappée. On va passer tous les points du grimpeur là. Je sais pas qui c'est qui va prendre les points. Julien Simon qui a pris un point.
Et puis voilà, bon, je pense qu'on va se retrouver un petit peu plus loin dans la course. Ouais, dans les 20 derniers kilomètres, je pense, de cette étape. Allez, petite interlude, parce que là on est dans la zone de ravitaillement. Là, on vient de passer large de la zone de ravitaillement. On va faire le petit jeu, comme vous avez l'habitude depuis 2018 et 2019. Un petit truc à gagner bien sympathique. Le petit jeu du Tour de France, parce que nous sommes partis de Brest, les amis, et que nous allons vers Landerneau. Je vais vous citer, enfin, vous allez me dire plutôt qui a été. Alors j'essaie de trouver la question parce qu'on va essayer. On va essayer de commencer pas trop dur, hein, parce que comme ça on va faire un truc simple. On va faire un truc simple. En quelle année? Allez, allez, est-ce qu'il y en a une qui me vient en tête? Parce qu'en parlant de Brest, en parlant de Brest. Ouais, en parlant de Brest, tiens. En parlant de Brest, allez, j'ai trouvé ma question. En 1974, qui a porté le maillot jaune à Brest lors du contre-la-montre inaugural du Tour de France en 1974? Je voulais jouer jusqu'à la fin de la journée, voilà, tranquillement. Pour me donner du coup le vainqueur à Brest en 1974. Bon, ça remonte un peu, mais si vous faites une petite recherche, vous allez voir que le nom est très facile, surtout en 1974. Je ne vous mens pas. Allez, on va se retrouver après un court générique dans le final de cette étape à Landerneau. Le Tour de France avec Philippe. Nous sommes à 28 km de l'arrivée de cette première étape ici entre Brest et Landerneau. L'échappée qui n'a qu'une vingtaine d'avance, on rappelle. Je vous rappelle plutôt les hommes qui sont à l'avant. Konovalovas, Brent Van Moor qui a gagné la première étape du Critérium du Dauphiné cette année. Et Julien Simon qui a fait podium lors des championnats de France à la Foissière en 2019. Marc Soler qui imprime un gros train. Il imprime un gros train, Marc Soler, avec Chris Froome qui est là. On va les équiper de Julien Alaphilippe aussi qui remonte également. Ouh là, ça a un peu freiné. Une zone un peu étroite. On est sorti à 6. Ouais, bon. Je pense que ça va pas trop rouler. On va juste mettre un petit peu peut-être des hommes à rouler dans l'équipe Ineos. Peut-être Lucro, Castroviro peut-être. Là, je vais essayer de mettre Katowski en protection de Geraint Thomas. Allez, une bosse là. Ah, mais s'ils partent à 8 et que la moitié du peloton ne suit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et on récupère ici Mathieu Van Der Poel qui s'est repositionné. Mathieu Van Der Poel, on a Roglic qui s'est repositionné, Warren Barguil. J'ai vu Peter Sagan, il me semble, avec son dossard 51, si c'est bien lui. Michael Morcov qui est là. Pour replacer Julien Alaphilippe. Chris Froome qui se met vraiment en équipier. 1 minute 10 d'avance. À 20, allez, à 22 km de l'arrivée. L'échappée va être peut-être reprise. On a Michael Woods aussi qui est placé, Richie Porte aussi qui est placé. Les routes bretonnes ne sont jamais plates. Il y a des remontées, des redescentes. Et ça roule extrêmement fort à 20 km de l'arrivée. On est dans l'arche, on va passer sous l'arche les 20 derniers kilomètres. Et Marc Soler qui imprime toujours un gros train. On voit Esteban Chavez qui est là, l'ancien vainqueur du Lombardia en 2016, Julien Alaphilippe, Warren Barguil, qui sont là aussi. Il reste 50 secondes. 50 secondes. Allez, Castroviro. Allez, là, faut vraiment mettre la surmultiplier là. Marc Soler qui fait du mal, hein. On voit les échapper, hein. Ils sont en ligne de mire. Geraint Thomas qui peut jouer aussi sa carte, hein, parce que on sait que Geraint Thomas, c'est un ancien sprinter, hein. Geraint Thomas est un ancien sprinter. Donc attention, ça peut jouer peut-être une carte assez intéressante. Attention, parce que là, cette côte-là qui se monte à fond. Carapace qui se repositionne. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Mes équipiers qui sont bien placés.
À 17 km de l'arrivée. Oula, alors par contre là ça accélère quand même assez fort. Alors, je pense qu'il y a, ouais, il y a une petite redescente là entre temps. Michael Matthews qui est un peu loin. Il est un peu loin dans le groupe là. Alors qu'on se fait un peu bloquer par Dan Martin et Jack Haig. 30 secondes, hein, 30 secondes. Allez, en ex-coureur de pavé que nous sommes, on peut quand même se permettre de passer dans l'herbe. Un vrai tout-terrain, ce Geraint Thomas. Et Julien Simon qui s'est isolé d'ailleurs à l'avant de la course. On va reprendre Konovalovas et Brent Vanmore. Et là ça roule fort. Et là ça roule vraiment très fort. Ça roule vraiment très très fort dans cette partie là, hein, un peu en faux plat. Allez, je vais te demander peut-être à d'autres équipiers là de remonter, ce serait bien. Pogacar qui est bien, hein. Pogacar qui est vraiment très bien. On a repris Julien Simon et Ignatias Konovalovas. Je ne sais pas qui aura le titre du plus combatif. On a perdu Boy Van Poppel et André Greipel, il est loin par contre la Greipel, mais bon, il sera dans les délais. On se fait pas de soucis pour ça. Moric qui attend peut-être un équipier. Ouais, ce serait bien de voir peut-être des Néos se porter avant. On avait ouais, Julien Philippe qui est vraiment dans les premières positions du peloton. C'est rassurant pour les deux Koenig. Allez, Luke Rock est là. La Philippe limite qui roule en personne, mais c'est pas lui de rouler. C'est qu'est-ce que fait Julien à la Philippe? Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Alors que Luke Rowe et Van Baarle qui vont. Ouais, il va prendre le relais. Dylan Van Baarle, là, il y a une grosse accélération. Ineos. Marc Soler, Dylan Van Baarle. Allez, Van Baarle qui prend le relais. Avec Luke Rowe dans la roue. Van Baarle du croc. Allez, du croc. C'est pas du poivre. C'est pas du poivre. Allez, une bonne relance là, ici dans ce virage. On a perdu Mark Cavendish d'ailleurs. On est même sorti à 3 là. Attention là, on est même. Attention parce que là, faut quand même rester concentré. Jonas Rickert, Michel Kwiatkowski. Le croc qui se donne à fond, hein. Ça c'est bien ce qu'il fait. Du croc. Le croc qui va prendre du gel, tout comme Castroviejo. Ah, je pense que ouais, tous mes équipiers vont prendre du gel. Ils vont prendre le gel. Tous mes équipiers. Allez, la longue descente vers Landerneau. On a 6 km de l'arrivée. 6 km de l'arrivée. Le croc qui emmène pour les Ineos Grenadiers. Et Tim Merlier qui se replace pour Van Der Poel. Parce que je pense pas que Tim Merlier sur une côte comme ça il va gagner. Parce que Van Der Poel il est là. Avec son dossard 17. Attention à ce virage. Oh, ça a bloqué. Ça a bloqué. Ça a bloqué à la relance. Ah, et Lucro qui fait un gros effort là. Non, c'est Castroviejo qui a pris le relais. L'ex-champion d'Espagne du contre-la-montre de Jonathan Castroviejo. Allez, on va arriver dans la côte de la Fosse aux Loups. Et ça freine, allez. Allez, allez, allez. Parce que là, faut quand même qu'il gère. Là, faut quand même qu'il gère. Faut quand même qu'il gère, là, mes équipiers. Allez, Kwiatkowski qui tente au pied. Allez, la sortie de Kwiatkowski, l'ex-champion du monde qui sort. À 2,5 km. Avec Roglic qui répond. David Godu. Oh, Kwiatkowski qui me fait dynamiter tout le peloton là d'un coup. Allez, Jakob Fuglsang, Rigoberto Urán. Oh là 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 là. Oh, ça va être un truc de folie. Oh, ça va être un truc de folie. Oh, ça va être un truc de folie. Oh, là, il va falloir quand même rester accroché, attentif. Un groupe de 46 qui s'est détaché. Richie Porte n'est pas dans le bon groupe. Richie Porte n'est pas dans le bon groupe. Kwiatkowski qui sort, l'ancien ex-champion du monde. Roglic qui rejoint. Oh, il s'écrase un peu. Oh, Roglic est fort. Oh, Roglic est extrêmement fort. Dans cette côte. Oh, Matthew Wood qui fait un jump de folie.
Michael Woods qui fait un jump de folie. Attention, parce que là, tout le monde va être placé. Allez, tout le monde le gel rouge, là, les gars. Oh, non, tout le monde le gel rouge. Allez, Garen Thomas, parce que là, faut quand même remonter. Il faut remonter devant. Garen Thomas qui fait son effort. Allez, Garen Thomas pour peut-être la victoire face à Tadej Pogacar. Allez, Thomas, en poursuite, tu s'impose. Victoire de Garen Thomas. Le premier maillot jaune, c'est lui, Garen Thomas. Devant la Philippe, et je crois que Carapaz fait une super belle place. Ou Katowski peut-être. Et ça, c'est de bon augure avant le contre-la-montre. Geraint Thomas, premier leader de ce Tour de France. Hallucinant. On va revoir le sprint au ralenti. On va revoir au pied de l'ascension directement. On va se mettre à 3 bornes de l'arrivée. Quand vraiment Katowski a décidé de tout dynamiter. Regardez, on va voir l'attaque là de Katowski là. Elle est super bien calculée. Très belle attaque là de Katowski. Et le seul à répondre pour le moment, regardez, ça va arriver derrière. C'est Roglic en personne. Avec son maillot noir de la Jumbo Visma. David Godu qui est là. Jakob Fuglsang, Rigobert Urán. Il y avait même Quintana qui était blessé. Ça doit être Valverde peut-être là. Regardez Katowski qui il fait une montée pas dégueulasse, Michel Katowski. Roglic au jump qui revient. Non, c'est pas mis dans le rouge, on est un peu loin même là. On voit Carapaz là avec son dossard 122. Hirschi qui est là mais qui s'écrase. Et là regardez le sprint là de Michael Woods. Regardez ce sprint de Michael Woods, regardez, il va tous les dépasser. Et là on se dit que Woods a fait le plus dur. Alaphilippe qui revient. Il s'écrase aussi. Katowski qui fait fort aussi. Hein. Et là Pogacar qui revient. On se dit à ce moment-là que Pogacar a fait fort. Mais regardez la fusée. Regardez la fusée galloise là qui revient. La fusée galloise Geraint Thomas. Qui va aller s'imposer. Quelle victoire quand même là pour Geraint Thomas. Qui gagne devant Pogacar, Woods. Et Katowski fait 4. Katowski fait 4, Hirschi fait 6, Roglic, Quintana, David Godu et Alejandro Valverde. On voit même Carapaz qui lève les bras. C'est... Oh là, super image. Et regardez. Attendez, c'est une blague. Regardez, même Carapaz qui lève les bras, qui va plus vite que Rigoberto. Oh non. Oh, franchement, c'est abusé. Oh, c'est abusé, franchement. Oh, franchement, ça, c'est fort. Geraint Thomas qui s'impose. Geraint Thomas, le vainqueur 2018 du Tour de France, qui remporte cette étape. Après un Tour 2019 où il est fait deuxième et un Tour 2020 où il était absent, il avait abandonné sur le Giro en 2020. Mais il est en jaune. Il est en jaune, Geraint Thomas. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Le Jack qui s'impose, Geraint Thomas en jaune. Magnifique. Il va monter sur le podium. Le maillot à poids. Et la bise des hôtesses. Ah non, le maillot vert. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Ça va être Julien Simon. Alors, comment ça se fait que Julien Simon là, alors que j'ai gagné une table de... Alors j'ai gagné une étape de vallon. Et il prend même le maillot à poids. Hein. Et le maillot blanc pour Pogacar. Le maillot blanc pour Tadej Pogacar. Pogacar qui est en blanc. Ouais, ça me surprend quand même que... Ou alors c'est 20 points. Ils ont revu les barèmes à la baisse ou quoi? Ça se passe comment? Je sais pas. Attendez, c'est quoi ce délire? Ah ouais, j'ai que 20 points. Oh la blague. Bah pourtant c'est pas une étape de montagne pourtant. Ouais, il y a un truc qui me choque. J'aime plein de réussir, moi je vous le dis. Donc Geraint Thomas qui s'impose devant Tadej Pogacar, Michael Woods fait 3, Miral Katowski fait 4, Alaphilippe fait 5, Hirschi, Roglic, Quintana, Godu, Valverde, Carapaz, voilà, ouais, c'est le top 11 du général, et Higuita qui fait 12. Alors que Carapaz levait les bras, Higuita n'a même pas réussi à passer devant. Carapaz c'est quand même fort. Vanderpool qui n'est que 14e, petite déception.
quand même. On voit Porte quand même qui perd 1 minute et 2 secondes. Hein. On va avoir quand même des perdants. On va avoir quand même des perdants. Wood Van Aert perd 39 secondes sur cette étape. Idé Schelling qui était pas bien placé. Steven Crochet. Putain, Berger qui fait 51ème, pas mal. Énorme. Richie Porte perd 1 minute et 2 secondes. Hein. Ouais, déception quand même. Hein. Donc peut-être que Richie Porte sera peut-être pas leader de l'équipe. Hein. Peut-être bien. Peter Sagan, de la déception quand même pour Sagan parce qu'il est 79ème et 16. Van Avermaet. Démarre qui est là, déception aussi. Cosno, oh, Cosno fera grosse déception. Hein. 1 minute 22 de perdu. Nibali c'est pire. Une, ouais, 1 minute 25. Ewan qui est loin aussi. Voilà. Oh, les écarts qui ont été faits. Il y a des écarts quand même qui ont été faits. Hein. Et Mark Cavendish qui est là à 5 minutes. Greppel qui a 12 minutes derrière. Du coup, classement général les amis, avec Geraint Thomas qui prend le pouvoir devant Tadej Pogacar, Michael Woods, Kwiatkowski, Alaphilippe, Hirschi, Roglic, Quintana, Gaudu et Valverde. Voilà pour le top 10 du général. Simon qui a 4 points. Simon donc avec 20 points prend le vert devant Geraint Thomas. Pogacar avec 6 secondes d'avance sur Hirschi et Gaudu. De son équipier et une grenadier meilleure équipe et 6 mois à la combativité 175 km. Allez, on va sauvegarder. On va sauvegarder ici. Voilà, sur le tour de Quimper Saint-Goisiec. Voilà. Allez, les amis, on va se laisser là. On va voir vite fait l'étape 2 du coup. Petite preview donc entre Perros-Guirec. La station des Côtes d'Armor et le mur de Bretagne. Avec double ascension. D'ailleurs, les points du grimpeur, ils sont pas bien positionnés sur la carte. C'est un comble quand même. 180 km qui nous attend demain avec la double ascension de mur de Bretagne. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve les amis pour la deuxième étape demain. En Côte d'Armor, Perros-Guirec, mur de Bretagne, 180 km. Sur ce, je vous dis à demain. Portez-vous bien, les amis. Salut!